Et hey, oh yo, Minasan, c'est Gunsho! Et aujourd'hui, on se retrouve sur Fallout 4 pour continuer mon aventure. Et putain de ces moments. J'avais oublié en fait, vous savez, là, j'ai sur mon micro-casque, en gros, j'ai ça et mon câble est devenu un peu merdique. J'ai ça en un, et ça, j'ai oublié de le réactiver. Donc en gros, ben voilà, vous avez su pourquoi, comment. Que c'était pas vraiment voilà quoi. Donc il y avait pas le son, donc fuck, on va dire fuck me, bordel, saleté. Donc voilà, donc là c'est bon, là j'ai bien vérifié, le truc est dans le bon truc, voilà, enfin il est en mode ouvert. Donc là j'étais dans ce bunker, on va dire, entre guillemets bunker. D'où il sort cela? Ok. Non mais calmez tout de suite, hein. Je crois que celle-là a été vraiment atomisée. J'espère qu'il y a du blé sur ta tête. C'est une bonne question. Et sur ta tête, est-ce qu'il y a du blé? Maintenant il n'y a plus de blé. Maintenant il y a juste du sang et ton cerveau qui est éparpillé un peu partout. Hello! Y a-t-il quelqu'un? Bonjour. Normalement les toiles ont été désactivées. Oh, oh! Chichi, il est malade. C'est des malades! Putain! Bonjour! Oh, un sage d'espace! Avec une cartouche au plasma par-ci, il l'a créé. Ouais, à l'école! Une cartouche! Et allons mettre une cartouche! Ta-da-ta-da. Un bug de merde! Phrase de merde, oui. Mais missile. J'ai bien ça. Bon, je crois que c'est le moment de déposer des affaires sous mon robot. Parce que je suis plein. Avec besoin. Ouais, ça peut-être toujours être utile. Et une cartouche et un téléphone, on sait jamais. Hein. Ça revient là-bas. Ok. Okay. Hey, que puis-je faire pour vous? Échanger. Ce qui est à moi est à vous, monsieur. Ok, bon, maintenant je suis un peu plus léger. Retournez à vos positions d'origine, le chasseur est près de l'ascenseur. De l'ascenseur, je sais pas, mais je crois que je suis déjà rentré dans ce bâtiment en fait. Je sens que je suis déjà rentré ici. Je sens que je suis déjà rentré dans ce bâtiment, c'est sûr et certain. Parce que ça me dit quelque chose. Ouais, ça me dit quelque chose, je crois que je suis déjà rentré ici. Mais voilà. Petit biberon. Un petit biberon. Vous pouvez vous convertir en ferrailleur, monsieur ? Ouais, je suis un ferrailleur. De l'extrême. Le mec, il rajoute de l'extrême. Ouais. Bonjour. Okay. Ça se fait temps. Putain, ça. Le chasseur en veut à la fille. Ceux qui sont encore en vie, foncez au dernier étage. Au trône. C'est un ordre. J'ai un ordre. Grenade.
Qu'est-ce que c'est? Boîte d'explosif. C'est bon. Des grenades! Allons faire la guerre! Quoi? Quoi? Qu'est-ce que c'est? La capsule, les médocs, le petit coffre, je sais que je peux l'ouvrir avec le PC, mais j'ai envie de l'exploser en fait. Et me faire chier surtout. Voilà. Ah non, je me suis pas fait chier. Ça va. Voilà, avec ça, c'est déjà pas mal, ma chose. Si on passe par là, ça va. Tu vas morfler. Mode what? C'est moi, je rentre. Fusée pompe, nous emmerde. Mode je m'en fous qu'on pète votre gueule. Dites-moi, c'est à qui ce bout de bras? Je sais pas que c'est. Enfin, du moins, ça fait partie d'un corps. What? Oh, une tête. Il y a une tête ici. Hello. Boîte de conserve, m'en fous. Boîte de conserve. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok. Génial. Génial. Ok. Ah mais, ça va pas marcher. Ok. Je sais, tu me suis partout, mais là ça fait, c'est chelou. Ça fait bizarre. Le mec, enfin le robot, il s'est tapé comme ça en mode. What? C'est moi, je passe là, hop là. Une petite feinte, hop. Et non, je suis là. Je crains qu'il faut que j'y aille là. Non. Hop. Ici, c'est. Un scotch. Ah, par contre, là, il faut que je passe par là, donc ouais. Il est où le bouton? Enfin, s'il y en a un. Ah, il est là. Attention. En quoi puis-je vous aider, monsieur? Putain, mais. On fout. Attention. Prudence, par ici. Attendez là. Allez! Putain. Enfoiré! Putain mais... Ah!
Putain, il m'a fait chier le robot. Hein. Putain, tu prends trop de place. Il est où? Il est où? Tu prends trop de place. Putain. Vas-y, je vais échanger avec lui tant qu'il est là. Putain. Je suis tout oui, bien sûr. Voilà, maintenant tu me laisses passer, hein. Tranquille. Hello. Ok. Je sais pas à quoi ça sert, mais je vais essayer de l'ouvrir. Enfin, je vais essayer. Ouais. Ah, ouais. Regarde la porte. Allez, avec ça, ça te... Porte ouverte. Directeur fusion. J'ai ouvert cet endroit uniquement pour un directeur à fusion. Sérieux? Sérieux. Oh, c'est déjà ça. C'est quand même deux réacteurs à fusion. C'est pas n'importe quoi. En tout cas, ça pue les machines hein, ici. Ok. Joli. Putain, réacteur en fusion, putain. Il y en a partout. Tu peux essayer. J'en prends pas plus. Ok. Je n'en crois pas un mot. Pourquoi ça pleure là? Papy est tout petit cet écran. Sérieux? Joli. Ok, d'accord. Et sérieux ce robot là. J'y suis. Ah ouais, allez, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Oui. Tu mentes. Sérieux. Ça y est. Fermé partout quoi. Et après j'ai pris le marteau avec. Je pense s'asseoir. Tu montes. Ok. C'est toi? Bon. On va passer par là alors.
me suiviez. Vous êtes ici pour la synthétique. Quelle synthétique ? Si vous n'êtes pas là pour la synthétique, c'est moi que vous voulez. Alors, de quoi s'agit-il ? Je suis là pour vous tuer et prendre ce qu'il y a dans votre tête. Ça, c'est impossible. En fait, je ne peux pas m'en sortir seule. Je vais devoir vous faire confiance. Alors, qui êtes-vous ? On parlera quand vous aurez ouvert la porte. Je vous promets de ne pas filer. Le garde a mis le mot de passe dans une boîte à outils, sous l'escalier là-bas. Utilisez-le pour accéder au terminal et ouvrez la porte. Ok. Le truc c'est... What? Tu dis comment ce chose est arrivé là? Ok, dans la boîte à lettres, ok, la place. Tac. Bah tu as le mangé ton chapeau. On va échanger avec lui. Ça m'a l'air louche, enfin je sais pas. Alors, mettez l'ascenseur en marche. Déjà, on va faire ça. Ascenseur opérationnel. Et on va ouvrir la, le synthétique humain. Je sais pas. Je ne sais point qu'est-ce que c'est comme, comme créature. On pourrait ouvrir la porte. Bon, maintenant on va discuter. Merci. Je ne sais pas quoi dire. Qui êtes-vous ? L'institut m'a donné le matricule K198, mais je préfère Jenny. Je suis une synthétique, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Je savais qu'ils allaient m'envoyer un chasseur, mais je pensais pas qu'ils me retrouveraient si vite. J'aurais sûrement réussi à lui échapper, mais je me suis fait capturer par ces... mercenaires. Vous connaissez la suite. Encore merci pour le coup de main. Je vais essayer de récupérer du matériel avant de partir. Et au cas où vous vous poseriez la question, non, je n'ai plus besoin de votre aide. Le Commonwealth, c'est tout sauf un camp de vacances. Je dois apprendre à m'en sortir toute seule ou je suis fichue. On se reverra peut-être ? Dans de meilleures circonstances, j'espère. Ok. On dirait que je me suis fait draguer par une synthétique. Qu'est-ce que t'en penses ? What ? C'est chelou. Bon, de toute façon, en plus, il n'y a rien à récupérer suite à ça. Et donc, l'ascenseur est ouvert. Hop là. Allez. Bon, j'ai la petite puce qui va m'aider à continuer, on va dire, mon aventure.
Donc ça le fait, ça le fait, ça le fait. Ouais. 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 Bon, moi d'abord. Tiens, c'est vraiment le bordel ici. C'est vraiment le bordel. Hein. Non, pas ça. Non, pourquoi j'ai fait ça. Ok. Bon. On va sortir, hein. Voilà, on va à Cambridge. Oh, putain. Je sais pas s'il y a un truc pour réparer ici. Non. Mais il y a une casse à outils. J'aurais pensé qu'il y avait un truc à réparer là. Au pire des cas, je crois que là, si, là. Mais de même façon, j'aurais pas de quoi. Ok, il y a un super machin. Non, y'a rien pour réparer. Y'a juste truc pour les armes. Joli. Ok. Perdu ici, je suis déjà passé, je pense, plusieurs fois ou pas. Je suis perdu. Bref, je pense que l'épisode va être bientôt la fin. Monde cassé, parce que là, je vais rentrer en fait à la base, je pense. Cassez-vous les mouches. Ouais, je crois que je vais faire ça. Ah mais si, je me rappelle ici, il y avait des connards ici. Voilà, donc je vais quand même récupérer la viande de mou... des mouches avant de perdre le fil. Ok. Ok, je sais pas que... Où est Cos? Code... Wars. Ah, il est là. On récupère ça vite fait. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que je vais rentrer à ma base. Parce que je commence vraiment à saturer. On va faire ça. On va à la base, je vais vider tout mon stock et je vais apporter le machin à la grotte rocheuse. Sanctuary. Et voilà, nous sommes arrivés à la maison. Ok, alors toi, en quoi changer. Voilà, j'ai tout pris. Voilà, je transférerai toutes les choses. Donc là, je vais crafter sur l'arme que j'ai actuellement, le fusil à canoncier. Alors, on va sortir de ça. Hein. Ok.
Et maintenant, on va fabriquer. Ok, voilà. J'ai modifié à fond ce fusil à pompe. Et maintenant, il fait 96 de dégâts. Et je vous dis, il arrache la gueule. Ok. Il n'y a pas un caravanier là, non? Ah si, et le doc. Rac le doc, alors. Le monde regorge de dangers. Mais oui, il regorge de dangers. Je vais quand même prendre. On va dire une saloperie de médicaments qui s'appelle. Il est où? Ah, le menteur raisin. Hop là. Remarquez. Docteur. Le docteur Weathers peut soigner tous les bobos, maladies et blessures diverses. Mais pas le comportement. Ah ah. Alors, entre quel? En fait, j'ai besoin de fournitures médicales pour la route. J'ai tout ce qu'il faut tant que vous avez des capsules. Et voilà, j'ai fini avec la vente. Ok, j'ai transféré des objets, tac tac tac. On va faire un petit peu de cuisson, je reviens après. Eh hey, purée, j'en avais un sacré paquet à cuisiner. Oh my god. Donc maintenant, mon inventaire est rempli de bouffe. Rempli, mais rempli. Hein. Ouais. Je ne suis plus très vaillant. On va en laisser dans la boîte ici. Hein. Quand j'ai... Les gens m'appelaient. Ok. Pourquoi j'ai 355 sur moi? Ok, j'ai une dépendance. Ok, je me disais. J'ai une dépendance à une drogue. Ok, d'accord. On va prendre un. Hop, ça. Hop. Non, ça c'est bon. Ouais, c'est vrai que j'ai ça sur moi. C'est peut-être ça qui me donne poids lourd. Non, ça fait 0 poids. Ouais, canaille! Aussi lourd là comme ça. Sur la tête. Toc 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 toc. Je pense que je vais laisser ma grosse pétoire et prendre le double canon, je crois. C'est la bouffe en fait qui me prend aussi tant de place à mon avis. Parce qu'après le carbone j'ai plus rien. En mode je pense pas que ça prend. Si ça prend quand même un peu de la place. Bon ça peut enlever beaucoup. Je crois que je vais aller réparer mon armure. On va faire ça je pense. Caché un défi. Merde, ça. Ok, je finis de réparer mon petit armure. Enfin, ma petite armure plutôt. On va essayer de parler bien français, hein. Ok, donc ça c'est fait, tac tac. Ça pleut, il pleut. Donc voilà, ben, enfin je pense que c'est de la fin de cet épisode. Donc voilà, donc je pense que j'ai vu à peu près ce qu'il voulait voir. Il restera plus qu'à aller revoir le synthétique ou faire un truc comme ça. Enfin, je vais voir quand même, hein, on sait jamais. Hein. La quête, faites analyser la puce du chasseur. Ok, ça, mais ça je ferai ça dans un autre épisode, donc il faut aller au QG du réseau du rail. Ok, et on va faire ça dans le prochain épisode. Donc voilà, c'était Guincho. Bye bye.